francuski multimilioner, król śmieciarzy, bohater komiksów, a przede wszystkim właściciel klubu piłkarskiego Montpellier, Lulu Nicolin, człowiek znany z dużego poczucia humoru, który po zdobyciu mistrzostwa przez swój klub powiedział: Montpellier mistrzem? Na miejscu Marsylczyków, Paryżan, kibiców Lyonu, Lille czy Rennes, wetknąłbym sobie kiełbasę w tyłek. Wtedy poziom upokorzenia byłby adekwatny do tego, które obecnie fundujemy im na boisku. A prywatnie sam Nicolin funduje sobie jeszcze jedną rozgrywkę. Od ponad 20 lat zbiera piłkarskie koszulki. I tak się składa, że na swoje prywatne rancho, gdzie ulokowana jest cała kolekcja, puścił kamerę z łączy nas piłka. Un accès privilégié ici ou si tout le monde peut rentrer? Ah non, non, privilégié, mais quand on me demande, j'ai fait rentrer. Il y en a d'autres, portugais, polonais, là, il y en a un, là. Il y en a. Bravo, génial. Et puis là, de ce côté, il s'en est pas. Portugal, Pologne. Non, mais de l'autre côté, là. Pologne. Pologne aussi, là. Yes. Bach, Karwan, Kozeki. Kozeki, pas les formes en premier tour. Et là, il y en a pas, là, non? Non, non, là, devant. Devant, non. Là, c'est non. Roumanie. Combien de maillots hein, dans le musée? Dans le musée? 7000. Depuis quand vous avez commencé à les... 1990, quand on a gagné la Coupe de France, Lucchesi, un de mes joueurs, m'a offert son maillot. Et j'ai dit, mais à partir de maintenant, je vais faire la collection. Et voilà, c'est parti comme ça. J'achète beaucoup aux enchères aussi. Hein. Est-ce que tous ces maillots sont aussi importants les uns que les autres pour vous ou est-ce qu'il y a des pièces préférées? Non, c'est important tous. Peut-être les plus importants, c'est Michel Platini, mon ami. Vous avez trois maillots de joueurs polonais derrière vous. Quels sont vos liens avec le football polonais? Bon, spécialement, j'imagine avec Jacek Jobert, mais quels sont vos liens avec le football polonais? Ben, moi, personnellement, j'aime bien. Mais je reconnais que dans le sport polonais, je trouve que les volleyeurs, les handballeurs, sont plus forts que les footballeurs. Il a entendu dire que Kasperzak vous a offert un maillot de Johan Cruyff. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, ça c'est vrai. Mais j'en ai même un maillot de Kasperzak. Alors je ne sais pas si c'est de Metz. Non, l'équipe polonaise. D'accord. Ah, mais c'est en Coupe du Monde, je crois. Donc il doit être en haut. Tu l'as trouvé? Non. Son garou? Ben là. Non. T'as tous les ballons d'or là. Ah, en face. C'est bon. Ça regarde. Voilà, c'est celui-là. Et de l'équipe nationale, ça doit être aux Pays-Bas là. En plus, celui que j'ai de l'équipe nationale, il a que deux bandes. Parce qu'il était en galère avec Adidas. C'est vrai, le président de la Fédération italienne, il va me jouer celui de Gianni Rivera. Que je n'ai pas. Avec l'Italie? Ouais. Ou avec... Je m'en fous. Là, il y a un peu de tout, là. Magnifique. Mais c'est tous des ballons d'or. Il me manque Denis Lowe. Il me manque Denis Lowe, Stanley Matthews, mais j'ai une chaussure. Ces enculés d'anglais, ils en vendent une après l'autre. Au lieu de vendre les deux.